Tout d'abord, bonjour à tous, à toutes. J'avais préparé un petit discours, je l'ai oublié. Tous ces gens, tous que je connais, certains que je connais pas, je vais faire très court, je voulais simplement vous dire merci. Je suis submergé d'émotions, je ne sais pas quoi vous dire à part merci. Du fond du cœur, sincèrement, merci. Je savais pas que ça pouvait contenir autant de monde. Il y a autant de monde qui travaillait à France Télévisions. Là, on sort du trou, là. Hein. C'est impressionnant. C'est franchement impressionnant. Moi aussi, je sais pas, j'avais pas vraiment préparé un discours, mais les mots me manquent, ça va revenir tout doucement. Mais quand on sort du trou, qu'il n'y a rien pendant 18 mois et que d'un seul coup, ça vous tombe comme ça, finalement, on dit toujours, en se moquant gentiment entre nous, « Ah, la grande famille, France 2, France 3, France Télévisions, machin truc. » Oui, mais il y a des fois, ça existe. Alors oui, ça fait chaud au cœur quand on vient d'un pays où on n'a pas toujours été bien considéré. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous les confrères, les consoeurs ici de notre maison, mais aussi les photographes. On s'est croisés il y a longtemps en Albanie, par exemple. Non, ça fait vraiment chaud au cœur. Et je voudrais venir un peu en appui de ce que disait Thierry Tuilier il y a quelques minutes. Oui, je crois qu'il faut continuer à aller en Irak. Oui, je crois qu'il faut continuer à aller en Afghanistan. Ne pas toujours être avec l'armée française, américaine, britannique, que sais-je, ne pas toujours être embedded, comme on dit, être dans le même lit que l'armée. J'ai rien contre l'armée. Ils ont beaucoup travaillé pour nous, les services ont beaucoup travaillé pour nous, pour nous sortir de là. Et un grand merci à eux. Mais il faut aussi qu'on ait un autre point de vue. Et un autre point de vue, c'est aller là où on est allé et aller là où plein d'autres journalistes vont. Mais oui, il y a une petite prise de risque supplémentaire. Et j'ai entendu tout à l'heure, alors je vous le dis, c'est pas un règlement de compte à Hockey Corral ou quoi que ce soit, mais j'ai entendu sur des chaînes de télévision des analystes et pourtant des anciens reporters de terrain qui ont dit oui, mais l'armée française les avait bien prévenus, ils allaient au-devant de graves problèmes, au-devant de graves périls. C'est absolument faux. Personne ne nous a rien dit. Que cela soit clair. Je ne sais pas d'où ça vient. Nous ne sommes pas allés affronter la face nord de l'Everest en tongs, loin de là. On savait pertinemment où on allait, on n'est pas allé pour interviewer des talibans parce qu'on sait que c'est des mois de préparation et même quand on y va avec des mois de préparation et même parfois quand on est musulman, c'est arrivé à un journaliste japonais, on est enlevé. Donc c'est très compliqué. On a juste voulu voir s'il y a une route qui s'appelle l'Axe Vermont et si cette route est contrôlée par l'armée française, par l'armée afghane, par la police afghane, par les talibans ou par personne. A priori, par personne. Ni à l'époque, ni encore aujourd'hui.
Alors que cela soit clair, on n'est pas allé à l'aventurette comme ça pour risquer d'abord nos vies, ensuite mettre en péril des gens qui ont travaillé pour notre libération, etc. Non. On n'a pas eu de chance, on était bien préparé, on a pris le minimum de risques possible. On a été vendu à un checkpoint, infiltré par un informateur taliban, et on a été intercepté 20 km plus loin. Et apparemment, de ce qu'on sait, si on n'avait pas été intercepté à la première embuscade, va-t-on dire, il y en avait une deuxième qui nous attendait, et une troisième, et ils avaient ordre de tirer, et si on ne s'arrêtait pas, ils avaient ordre de nous tuer, parce qu'on était pour eux des espions. Voilà. Donc je voulais être vraiment clair là-dessus. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de choses dites là-dessus. Je pense que c'est important de mettre les points sur les i. Voilà. Parenthèse fermée. Revenons à votre joie, à notre joie, vous imaginez bien. C'est tout simplement énorme. Ce que je vois là, ce que j'ai vu un tout petit peu, parce qu'on a fait un check-up rapide dans un hôpital parisien, des portraits partout, des manifestations pendant des mois et des mois, dont on a eu écho par RFI, un grand coup de chapeau et un grand merci d'ailleurs à RFI qui a relayé. Vous savez, les histoires de messages, de bouteilles à la mer qu'on lance comme ça, on ne sait pas si ça va arriver, c'est arrivé le jeudi. À 19h27, 19h28, et on l'attendait pendant une semaine. Ça dure 2 minutes, ça dure 3 minutes, mais quand les messages arrivent, qu'est-ce que ça fait du bien? Évidemment, on espère que ce soit les derniers, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ça arrive? Parfois l'émetteur marchait mal, parfois les ondes passaient mal, mais franchement, ces messages passés sur RFI, qui étaient des messages personnels, et puis toutes ces informations qu'on a eues à notre propos, c'est super. Et la radio aussi, c'est super, parce que quand on n'a pas de télé, quand on n'a pas Internet, quand on n'a rien, et quand on a une petite boîte plastique comme ça, qui nous permet d'écouter une radio émise depuis Paris, depuis Londres, depuis New York, ou que sais-je encore, ça fait vraiment du bien de savoir qu'il y a des vivants autour de nous. Voilà. Pour conclure, pour moi, je suis tellement touché que ce matin, j'ai été doublement motivé pour continuer à faire mon travail de reporter, de journaliste, tout simplement. Et là, je ne suis pas doublement motivé, je suis 1000 fois motivé. Tirer, on sera encore un peu plus prudent. Mais comme on nous l'a dit à multiples reprises au sein de l'armée française, le risque zéro n'existe pas. Ou alors ne rien faire, c'est se tromper qu'une seule fois. Voilà, c'est tout. Merci encore, vraiment c'est... Wow.